Kastor? C'est Kovac! Michel Kovac! Kastor! Kastor et! Kutugrebi! Kastor et! Mata! Alors que la semaine est marquée par de bons gros nanars balancés en DVD à grand renfort de pub, Frisson vous offre La Porte du Paradis, le chef-d'œuvre maudit de Michael Cimino, sorti en 1980 avec Kris Kristofferson, Isabelle Huppert, Jeff Bridges, Christopher Walken et Sam Waterston. Cinéaste de l'histoire, animé par un véritable souci d'authenticité, Cimino, à qui l'on doit Voyage au bout de l'enfer et L'année du dragon, s'attaque une nouvelle fois à la fondation de l'Amérique et à la difficile constitution de son identité. Une identité bâtie sur le sang qui, au-delà du massacre fondateur des Indiens, est né des conflits qui ont opposé des vagues d'immigrants de différentes générations. La Porte du Paradis dévoile ainsi un pan terrible de l'histoire américaine, en peignant à la fin du 19e siècle le quotidien misérable des hordes d'immigrants d'Europe de l'Est tentant de s'installer dans l'Ouest sauvage et en stigmatisant les exactions des premiers colons, propriétaires terriens s'acharnant à les massacrer. Vision inédite d'une Amérique naissante, marquée par le hiatus entre une aristocratie vieillissante à l'Est qui se transforme en bourgeoisie capitaliste et à l'Ouest des hordes de miséreux qui donnent à l'Amérique un air des Balkans. Bref, reprenant de nombreux codes du western, Cimino nous montre l'Amérique des origines comme aucun autre avant lui, fondée sur la xénophobie et l'ethnocentrisme comme sur une lutte des classes à l'avantage des puissants. Un regard militant qui a valu au film d'être descendu en flèche et de rester encore aujourd'hui un cas d'école en termes de bide monumental. Célèbre pour l'inflation de son budget et pour avoir été remonté sauvagement par le studio 2 jours après sa sortie, le film a quasiment entraîné la faillite d'United Artists et aura ruiné la carrière de Cimino. Attention, alors qu'il n'existe en DVD que la version charcutée par le studio, Ciné Cinéma Frisson vous propose la version intégrale. C'est dans ces moments-là qu'on comprend l'utilité de magnétoscope.